Mais d'abord 5 milliards d'euros de surcoût, un trou d'air colossal. Chez EADS, on tente de relativiser au lendemain de l'annonce d'un nouveau retard de livraison d'un an des A380. Pourtant, le plan de restructuration d'Airbus, annoncé dans la foulée et censé compenser les pertes, fait craindre en France comme en Allemagne de graves conséquences sociales et industrielles. On fait le point avec Laurence Ragon. L'A380, un avion de rêve qui tourne au cauchemar. Il devait sortir des chaînes à la fin de l'année. Finalement, un seul et unique exemplaire sera livré en octobre 2007. 2 ans de retard. Pour faire face à ce coût financier, EADS impose un plan d'économie. Réduction des coûts de 30%, ce qui n'exclut pas les suppressions d'emplois. On demande aux salariés de payer l'addition parce que les actionnaires ne veulent pas la payer, alors que cette addition est à payer par les actionnaires parce que c'est leur logique, c'est leur politique depuis 5 ans qui a amené ces résultats, qui a amené finalement cette situation d'échec. Dans son plan de restructuration, EADS ne donne aucune précision sur le volet social. En revanche, le groupe laisse entendre qu'une réorganisation du circuit de production serait envisagée. La production est partagée, notamment entre la France et l'Allemagne. Tout sera remis à plat, affirme-t-on dans une communication très officielle de EADS. Tout ceci sera fait en dialogue avec l'ensemble des partenaires concernés. Et nous savons bien que quand les efforts doivent être faits, chacun souhaite qu'ils soient équitablement répartis entre les différents pays partenaires et membres de EADS. Depuis des mois, à Hambourg ou à Toulouse, les cadences sont au maximum sur les chaînes d'Airbus. Pour certains syndicats, pas question de bouleverser l'organisation du travail. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse déstabiliser une chaîne qui tourne. Ce serait une erreur tout à fait et financière, industrielle et même sociale. Je ne crois pas aujourd'hui à cette manœuvre. Ce serait vraiment aggraver la situation. Du côté de la sous-traitance, Airbus fait vivre 50 000 salariés. Certaines PME pourraient être touchées de plein fouet par la restructuration. Évidemment, on est en concurrence maintenant avec les pays, soit de l'Est, soit Russie, Chine, Inde, etc. Donc eux, forcément, on sera toujours plus cher qu'eux. Et ça, s'ils veulent des restructurations de coûts, ils vont aller forcément ailleurs que dans la zone France. La direction de EADS se donne 3 mois avant de trancher. Un traitement de choc est nécessaire pour rassurer les compagnies aériennes. Déjà, Emirates menace d'annuler une partie de ses commandes d'A380.